Et bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite mise au point parce que apparemment mon projet Capi Academy n'a pas été totalement compris, donc je vais écrire ici sur le bloc-notes les choses et un petit peu vous expliquer pourquoi que par rapport aux vidéos que vous m'envoyez. Donc de 1, le but de la Capi Academy, c'est de vous faire connaître. Donc de vous faire connaître et pas bêtement pour dire ouais génial vous passez sur ma chaîne, c'est super. Non, le but c'est de vous faire connaître. Et le problème c'est que le mieux pour entre guillemets pour valoriser votre chaîne, c'est de commenter la vidéo, enfin, c'est mieux parce que en fait hier j'ai reçu une vidéo de Nuit Domaine ou Domaine, je sais pas comment il dit. Et problème c'est qu'il y avait des musiques dessus. Moi j'ai écouté je sais pas moi les 3-4 premières minutes et puis j'ai téléchargé et puis je sais pas ce que je faisais, j'ai pas écouté la suite. Donc je l'ai posté ma chaîne et hop j'ai dû la supprimer parce que YouTube m'a informé que il y avait du contenu sous copyright, donc j'ai dû la supprimer. Et donc voilà, donc c'est mieux que vous la commentiez et c'est limite obligatoire quoi. C'est beaucoup mieux, surtout pour les gens qui vont regarder votre vidéo quoi. Souvent sur ma chaîne, je crois que 100% de mes vidéos sont commentées. Allez, peut-être pas. Il y a quelques vidéos où je commente pas parce que soit j'ai pas le temps ou soit c'est trop long. Enfin, ça arrive que je commente pas, mais c'est très rare. Deux, trois. Essayer d'avoir un son de micro clair. Donc ça. Encore une fois, c'est pas évident pour tout le monde parce qu'il y a pas mal de gens quand ils commencent, ils ont le micro interne de votre PC. Donc ça, en même temps, c'est pas trop grave. Mais par contre, quand vous faites votre montage, essayez que le son de votre voix soit quand même au-dessus du son du jeu. Parce que quelqu'un qui m'a proposé une vidéo hier, donc en tout, vous êtes déjà 9 à m'avoir envoyé vos vidéos. Et j'ai su en upload que 3, dont une que j'ai dû retirer. Parce que soit le rendu avait foiré, soit on vous entendait pas parler, ou il y avait de la musique, enfin soit il y avait pas mal de demandes. Donc moi je dis ça, moi je vous donne ça comme conseil, hein, parce qu'en fait si vous voulez vraiment valoriser votre chaîne, si vous mettez une vidéo avec une qualité de merde, avec le micro qu'on n'entend pas, ça va pas vraiment inciter les gens à aller vous abonner à votre chaîne. Donc moi je vous donne ça comme conseil. 4 essayez de essayer de présenter votre chaîne, surtout pour dire un petit peu de présenter votre chaîne, pour dire un petit peu ce que vous faites dessus surtout, parce que ouais hein, vous me passez une vidéo de Que des Hommes, c'est super, mais bon les gars ok. Ils vont regarder, ils vont se dire que c'est ma chaîne, ils vont s'abonner, c'est tout. Donc justement faut les inciter à aller sur votre chaîne en faisant quelque chose de sympa. Peut-être un concept sympa. Je sais pas, genre un survival, je sais pas moi. Des défis de niveau 1, une technique Kama. Enfin, je sais pas moi, il y a plein de trucs à faire de vraiment pas mal. Mais c'est surtout le but. Le but principal de la Capi Academy, c'est de vous faire connaître, c'est pas faire une vidéo. Voilà, même si vous le faites dans un mois, il n'y a pas de souci. Il y a une personne hier, je lui ai dit que sa vidéo je pouvais pas la prendre, et il m'a dit dans un mois je retenterai, mais parce que je vais essayer de bien faire ça. Je dis il n'y a pas de souci, même si c'est dans un an, voilà, je la mettrai à ce moment-là. Essayez de me faire quelque chose de bien, et c'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour vous. Donc voilà. C'est peut-être une chance que voilà, enfin, j'ai déjà pas mal d'abonnés, donc je sais pas, je vais regarder en même temps que vous. Donc c'est quand même une grosse pub, voilà, 1280. C'est quand même une grosse pub que je vous offre là, de pouvoir passer devant 1280 personnes et d'autres, hein, où il y en aura peut-être moins, je sais pas, mais
au moins de minimum les 500 vues sont approchées sur presque toutes mes vidéos, donc voilà quoi, c'est vraiment une... Faites quelque chose de bien, je sais pas comment dire. Aussi en HD, 720p ou 1080p, ça pour le moment, toutes les vidéos qu'on m'a envoyées, enfin qu'on m'a envoyé le lien, elles étaient toutes en HD, donc ça c'est pas trop mal. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? Est-ce que tout le monde... Ouais, donc aussi je vais dire une vidéo par personne. Donc si par exemple vous m'envoyez une vidéo, je vous dis que il faudrait la changer, faudrait améliorer ci, améliorer ça, vous pouvez me renvoyer une autre vidéo, il y a aucun souci. Mais par contre là j'ai dit, parce qu'il y a une personne que j'ai posté sa vidéo, la toute première en fait, il y a son micro qui était pas clair, on n'entendait vraiment pas bien ce qu'il disait. Et c'est lui qui m'a dit, dans un mois je t'en referai une autre avec un meilleur micro et tout ça. Donc à ce moment-là, quand il me l'enverra, j'enlèverai la première qui m'a envoyé, et je mettrai la. Et j'ajouterai la nouvelle tout simplement pour pouvoir lui faire de la pub. Donc maintenant, ça c'est peut-être 8, c'est peut-être un truc entre guillemets à gagner. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui fait une vidéo pour la KPI Academy, mais un truc exceptionnel qui fait, je sais pas moi, 1000 vues, 100 pouces verts, enfin je sais pas, un truc vraiment énorme. C'est possible que je lui offre une rubrique sur ma chaîne. Du genre, on va dire, il nous fait une présentation on va dire, des steamers, tout simplement. Eh ben, je lui offrirais peut-être la chance, enfin c'est pas la chance, je lui demanderais si ça l'intéresse, mais de faire des vidéos que je posterai sur ma chaîne, par exemple pour présenter les steamers. Je donne ça comme exemple, hein, je sais pas vraiment, mais vraiment, si vous faites vraiment quelque chose de bien, je pourrais peut-être entre guillemets, encore une fois, vous engager, on va dire, pour entre guillemets travailler pour ma chaîne si c'est possible. Hein. Je viens de penser à ça à l'instant, donc c'est vrai que si vous faites vraiment quelque chose de bien, je pourrais peut-être entre guillemets, putain, je dis beaucoup de fois entre guillemets, hein, donc je dis entre guillemets, faire un genre d'équipe autour de ma chaîne pour vraiment essayer de la grandir et qu'on se plaise bien à nous tous, quoi. Alors par contre, un petit conseil que ça on n'a pas encore eu, c'est des montages pour les personnes qui sont un peu douées en genre, qui savent bien utiliser Cinema 4D ou Sony Vegas et tout ça, s'ils arrivent à faire un montage. Genre, je sais pas si vous connaissez Sapeux, c'est un Zobal, il a une chaîne YouTube, c'est Dofus Community HD je pense, ou ouais, Dofus Community HD je pense, je crois que ça s'appelle comme ça. Il fait des montages avec son Zobal de quelques minutes, mais c'est des montages avec le son qui part dans tous les sens, avec l'image qui saute, enfin c'est vraiment des bons montages. Donc si vous savez faire ça, c'est peut-être une bonne idée pour présenter votre perso sur la chaîne. Là, on va dire, ce genre de vidéo, c'est la seule que je veux bien qui ait pas de commentaires en fait. Mais si vous faites un donjon ou un coliséeum ou un défi ou du commenter du PVP, faut vraiment qu'il y ait votre voix et que vous mettiez en avant votre chaîne. Ça, c'est vraiment le numéro 1. Après, essayez de faire quelque chose de bien, hein, je sais pas. Vous pouvez même... montrer un endroit où XP, je sais pas moi, du niveau 50 à 70, par exemple, vous nous dites, ouais, c'est bien d'XP là, avec autant de personnes, par exemple, je sais pas moi, du niveau 1 à 20, c'est bien de faire ça pour mon... Imaginons, vous créez un personnage, vous faites une vidéo, où vous le montez de 1 à 20, on va dire bêtement, en XP au pichon, donc les gens ils vont regarder, ils vont faire, ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal comme technique, je vais essayer, et puis voilà, ça va faire des vues. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais il y a plein de trucs à faire. Moi j'ai encore blindé d'idées en réserve, et voilà, je vais pas vous les dire toutes non plus, mais je peux juste vous dire qu'il y a deux techniques Kama que j'ai testées hier. Pour le moment, il y en a une sur les deux qui fonctionne vraiment bien,
Donc je vais essayer de vous faire une vidéo dans pas longtemps. Je vais juste regarder un petit peu sur YouTube s'il y a personne qui, enfin s'il n'y a pas trop de gens qui l'ont déjà faite celle-là avant de vous la proposer, parce que sinon on va dire que c'est du plagiat et tout ça, donc on verra bien. Donc je crois que c'est tout, hein. De toute façon ça je vais le copier-coller dans la description de la vidéo. Je vais vous rajouter le lien pour télécharger la, pour toujours pour télécharger mon intro pour mettre avant vos vidéos. Ah oui, 9, vous pouvez ajouter votre intro après la mienne. Voilà, parce que c'est à pas mal de personnes qui me l'ont demandé dans les commentaires. Académie, voilà. Donc je crois que c'est tout, hein. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que, ben, que la petite mise au point a été pas trop longue, mais qu'au moins comme ça vous avez vraiment compris ce que j'attends de vous surtout. Donc ben, bonne chance pour ceux qui aimeraient bien passer et faites-nous des super vidéos. Allez, salut à tous!